Aujourd'hui, Montréal.tv est au tapis rouge du championnat canadien de poker présenté par Party Poker en collaboration avec le groupe MVP au Playground Poker Club de Kahnawake. Et pour l'occasion, plusieurs personnalités sont sur place pour célébrer le début de ce championnat qui se déroulera jusqu'au 13 septembre et dont la cagnotte garantie est de 2 millions de dollars. Simon, c'était quoi l'implication du groupe MVP pour l'événement d'aujourd'hui? Dans le cadre des championnats canadiens de poker présentés par Party Poker, mon mandat avec le groupe MVP, c'était d'inviter des célébrités sportives et du milieu culturel à participer aux championnats canadiens de cartes, de poker. Donc, j'ai regardé à travers les athlètes avec qui je travaille et que je représente, qui étaient les meilleurs joueurs de poker, parce qu'on voulait aller chercher la crème de la crème. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances et on espère qu'ils vont pouvoir se classer dans les finalistes. Étienne, es-tu fan de poker depuis longtemps? Oui, moi je joue quand même depuis longtemps, là, depuis mes années universitaires. Qui, ça remonte, je trahis mon âge un peu, mais ça remonte à début des années 2000, mettons. Oui, je te dirais que je joue au poker depuis l'âge de 16-17 ans. À l'époque de mon junior à Laval, on jouait dans l'autobus. Ça a commencé comme ça, avec des 25 cents, puis des dollars. Puis on avait des longs voyages de 2-3 heures des fois, puis on jouait au poker en arrière. Pas vraiment longtemps, mais... Comme les deux dernières années, j'ai commencé à jouer, puis j'aime beaucoup. Je suis un fan de poker depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Fait que là, je regarde tout ça aujourd'hui, là. Je suis un peu nerveux. Je suis meilleur dans les parties qu'au poker, mais on sait pas. Je suis surtout intimidé par le fait que je vais jouer contre sûrement des gros joueurs qui ont genre gagné des gros tournois. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de participer à l'événement d'aujourd'hui? Ben je trouve ça le fun. J'ai eu la chance de jouer des fois, ben, d'être invité à des tournois pour des œuvres caritatives. Puis c'est toujours le fun. Rencontrer des gens, puis passer du temps avec mes amis, tous les gars du groupe MVP, j'aime ça. Mais j'ai décidé de m'asseoir aujourd'hui puis jouer au tournoi parce que c'est une place de fun. Je connais beaucoup de monde ici. Le Playground Poker, ça a été un de mes commanditaires pendant longtemps. Donc on va avoir du fun puis on va essayer de gagner ça. Ben, c'est un gros événement au Playground. C'est un énorme poker room. J'étais allé à Vegas, puis je pense qu'il n'y en a pas un aussi gros. Là. Ils élargissent, puis ils agrandissent souvent parce que la demande est énorme. Puis l'événement Party Poker, c'est un gros événement. Championnat canadien, il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir une belle compétition, un bon calibre, un haut calibre de jeu.